Bonsoir à toutes et à tous. Un ancien international de rugby argentin a été assassiné en plein Paris. Samedi dernier, le principal suspect a été arrêté ce mercredi en Hongrie. Il a gravité dans les cercles proches du Front national. Notre enquête avec Marine Turchi. Et puis, à l'occasion des 60 ans des accords d'Evian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie, entretien avec un historien, une anthropologue et deux jeunes invités sur la résonance au présent de la guerre et du passé colonial de la France. Nous sommes le 23 mars 2022, c'est À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Et d'abord avec toi, Marine Turchi, bonsoir du pôle enquête de Mediapart. Salut, revenons Mathieu. Sur ce meurtre donc commis en plein Paris, c'était samedi soir. Le rugbyman argentin Federico Martín Aramburu, 42 ans, ancien champion de France avec l'équipe de Biarritz et ancien international argentin, a été abattu de plusieurs coups de feu dans le 6e arrondissement de Paris. Il se trouvait avec son ami Shaun Hegarty, un néo-zélandais, rugbyman lui aussi, qui a été blessé à l'arcade sourcilière. Les deux suspects de cet assassinat, c'est ça dont on va parler ce soir Marine, sont deux militants d'extrême droite. Ils ont été interpellés aujourd'hui. Le premier s'appelle Loïc Le Priol, il a été arrêté en Hongrie. Le deuxième s'appelle Romain Bouvier, il a été arrêté dans la Sarthe. Par ailleurs, une jeune étudiante de 24 ans présente le soir des faits a été incarcérée et mise en examen pour complicité d'assassinat. On voit ici Romain Bouvier et Loïc Le Priol sur cette photo. Marine, tu travailles sur l'extrême droite et ses réseaux depuis des années et tu as déjà croisé ces deux profils au cours de tes enquêtes parce que ces militants, connus pour leur violence, ils ont gravité, on va y revenir, dans les cercles proches du Front national. Et puis avec nous, il y a aussi Christophe Cariou Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de Shaun Hegarty, l'ami aussi de Federico Martín Aramburu. Voilà, vous connaissez très bien ces deux hommes. Et j'ajoute voilà, que vous étiez donc voilà, un ami de ces deux hommes. Votre client, Shaun Hegarty, il a été blessé à l'arcade. Comment va-t-il? C'est pas l'arcade qui compte. Je crois que c'est surtout l'âme, l'esprit. Je sais pas, je pense que personne ne peut être, ne peut comprendre véritablement sans avoir vécu ce que Shaun a pu vivre. Puis ce sont aussi des milliers et des milliers de personnes qui ont été traumatisées, choquées, victimes sur toute la côte basque en Argentine et dans le milieu du rugby. C'était une journée qui devait être une journée de fête et ça a été une journée de drame pour beaucoup de monde et c'est encore très difficile. Revenons à samedi, on est tard dans la nuit devant un bar du 6e arrondissement, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est ça? Non, on est vendredi à samedi. La nuit de vendredi à samedi. Pardon. À votre connaissance, qu'est-ce qui se passe? À la connaissance, aujourd'hui, dans l'attente d'avoir accès au dossier, hein, en qualité de partie civile, on sait qu'il y aura deux groupes de personnes qui sont attablées en terrasse du Mabillon, qui, Shaun Hegarty et Federico Martín Aramburu, à une table en train de préparer la journée qui s'annonçait, puisqu'ils avaient un groupe de clients à conduire toute la journée dans Paris jusqu'au match de France-Angleterre qui devait avoir lieu le soir, et une autre table de trois personnes qui, à un moment donné, a été accosté par semble-t-il, une tierce personne qui demandait soit des pièces, soit une cigarette. Et malheureusement, l'atteinte à la dignité de cette personne, ou en tout cas le respect qui était dû à toute personne, n'a pas été respecté à ce moment-là. Et Shaun et Federico ont juste demandé au départ à ce qu'on revienne un peu à plus de respect entre Ils sont personnes. Intervenus poliment juste au départ pour calmer un peu tout cela. Et ensuite, donc? Ensuite, l'enquête finira d'établir. Hein. Je pense qu'il faut être encore extrêmement prudent à ce stade. Ensuite, on sait qu'il y a au moins deux faits de violence qui auront lieu. Un premier devant le café Mabillon et un second après devant un hôtel qui s'appelle Welcome, je crois, où Federico et Shaun s'étaient arrêtés pour demander de la glace pour se mettre sur leur visage qui était tuméfié. Et c'est à la sortie de cet hôtel qu'il y aurait donc les salves de tir, une ou plusieurs, on verra ce que dira le dossier. Les deux suspects, on l'a dit, donc, sont des militants d'extrême droite, Marine, ils sont déjà connus pour leur violence. Oui, alors on va commencer par Loïc Le Priol, c'est le principal suspect. Hein. Il est accusé d'avoir porté les coups de feu qui ont entraîné la mort du rugbyman. Il a 27 ans, il est issu d'une famille d'extrême droite. Il a milité au GUD. Alors le GUD, c'est le groupe Union Défense. C'est un groupuscule étudiant aux méthodes violentes. Et puis c'est aussi un ancien militaire. Il a été membre des commandos marines. On le voit ici avec son uniforme en 2011 des fusiliers marins. Il a quitté l'armée en 2015 après avoir réalisé des opérations à l'extérieur, à Djibouti, au Mali, entre 2013 et 2015. Et en 2015, en raison d'un état de stress post-traumatique sévère d'après la médecine militaire, il a été écarté de l'armée. Alors depuis, il s'est reconverti en chef d'entreprise identitaire, en lançant la marque fétiche de l'extrême droite, Baptou Solide, et puis d'autres marques ensuite de foulards de protection militaire. On va parler maintenant du deuxième suspect, donc il s'appelle Romain Bouvier, lui aussi arrêté aujourd'hui dans la Sarthe. Voilà, Romain Bouvier, il a 31 ans, c'est un ami de Loïc Le Priol. C'est aussi un ancien étudiant en droit de l'université Paris-Assas. Il est actif à l'extrême droite. Il a aussi gravité dans la mouvance du GUD. Et puis, il est fasciné par les armes. On a trouvé plusieurs photos à Mediapart qu'on a publiées dans notre enquête aujourd'hui, le montrant, exhibant des armes. Donc, ces deux militants, ils sont de toute évidence fascinés de longue date par les armes. Et puis, ils s'affichent avec des armes. Alors, il y a quelques années, Loïc Le Priol et Romain Bouvier, ces deux hommes, sont apparus dans une bande mêlant des militants du GUD et du Front national de la jeunesse, comme par exemple quelqu'un connu, hein, Julien Rochedy, l'ancien patron du Front national de la jeunesse. Oui, on peut même dire qu'ils ont été très amis avec Julien Rochedy quand on voit les nombreuses photos d'eux ensemble qu'on a pu trouver sur les réseaux sociaux ces dernières années ou dans nos archives. Ce sont des photos de moments de convivialité, de soirées au fil des années, notamment dans les années 2014, 2015. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que mis face à toutes ces photos, sommé un peu de s'expliquer sur ces liens avec Romain Bouvier et Loïc Le Priol, Julien Rochedy a fini par faire une mise au point sur Twitter. Il s'est désolidarisé de Loïc Le Priol, il a dénoncé un acte inqualifiable, un crime impardonnable, et puis surtout il a dit qu'en fait ils étaient plutôt éloignés ces dernières années, ces derniers temps, depuis l'affaire de l'agression d'un militant du GUD dont on va reparler après. Mais les réseaux sociaux n'oublient rien, puisque nous on a retrouvé des photos récentes, notamment en 2019, c'était au mariage d'un ami commun d'extrême droite. On voit effectivement Julien Rochedy et Le Priol qui s'affichaient ensemble. Donc ce sont des photos tout à fait récentes. Et Marine, donc dans cette galaxie proche des cercles du Front national, eh bien, il y a aussi le GUD. Oui, alors Loïc Le Priol a milité au GUD, il a milité notamment avec un homme qui s'appelle Logan Jean, qui était le chef de ce groupuscule à Paris. C'est un groupuscule aux méthodes, on l'a dit, extrêmement violentes. Et puis surtout, il y a une troisième personne dans cette bande où se mêlaient des gens du GUD et des gens du FNJ. C'est Paul-Alexandre Martin. Paul-Alexandre Martin, on le voit ici avec Loïc Le Priol en 2016 à Saint-Tropez. Il a été candidat du Front National aux législatives en 2012. Il a été également numéro 2 du FNJ avec Julien Rochedy dans les années 2012-2013. Et puis aujourd'hui, il n'est pas sorti du Front National, du Rassemblement National, puisque de l'autre côté, du côté business, il a lancé son agence de com et il assure avec cette société la campagne numérique de Marine Le Pen depuis déjà quelques années, mais pour cette campagne également. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est très important, c'est que ces deux hommes suspects donc sont connus pour des violences graves, très graves même, que Mediapart avait documentées dès 2016, que tu avais documentées dès 2016. Voilà, avec Thierry Vincent, on avait révélé en 2016 des vidéos, 9 vidéos d'une durée totale de 8 minutes qui montraient des faits d'une violence insoutenable. D'ailleurs, on n'avait pas été en mesure de publier toutes les images parce que, on va y revenir, c'était très violent. Qu'est-ce qu'on voyait sur ces images? On voyait une soirée qui se déroulait en octobre 2015 au domicile d'un militant du GUD, d'un ancien chef du GUD, qui va être agressé par 5 militants du GUD venus le passer à tabac. Il va être contraint de se déshabiller, contraint de danser sur l'air de la Macarena en étant roué de coups nu. Et parmi ces 5 militants, il y a Logan Jean, on l'a dit, le chef du GUD, mais il y a aussi Loïc Le Priol et Romain Bouvier, les deux suspects de l'affaire qui nous amène aujourd'hui à parler de l'assassinat du rugbyman. Ils se sont donc rendus à son domicile pour le rouer de coups et le filmer. C'est des actes de violence qu'on a qualifiés de sauvagerie à l'époque dans notre article. Et on va aller regarder ces images. Donc attention, hein, ces images, les propos tenus sont sont très difficiles. C'était une vidéo de 8 minutes où s'enchaînaient des actes d'une grande violence, et vous allez l'entendre, des menaces de mort. Lève-toi, on vient de te dire. Lève-toi, assume tes actes. Vas-y, assume. Allez, donne-moi ta main. Je t'ai déjà laissé deux fois l'occasion de porter tes couilles, tu les as pas portées. Moi aussi, t'es venu vers les flics comme une merde. Viens, viens. Allez, porte-les. Lève-les, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Vas-y, assume pour une fois. Putain, pour quel motif? Toutes tes paroles, mec. T'imagines même pas. Mes paroles? Un contrat. Ça a trop parlé. Mais un contrat, tu vois bien, t'es 10 fois plus costaud que moi. T'es une merde. C'est toi l'idée du fascisme. C'est toi le patron du GUD. Mais t'es personne, regarde-toi, t'es personne, t'es qu'une merde. Écoute bien. Lève-toi alors, prends tes couilles. T'es dernière chance de te lever ou alors on te fout à poil, comme tu veux. Tu vas faire le canard devant nous, comme le Merskin. Voilà, pour rappel, le Hammerskin, c'est une organisation skinhead néo-nazie, et celui qui prononce ces mots, c'est justement Loïc Le Priol. C'est lui, on l'a dit, qui filme la scène, c'est lui qui s'en vante, et on va écouter le son seulement d'une scène qui va suivre, parce que les images sont très violentes. On a choisi de diffuser le son pour montrer la teneur de la suite. C'est que j'en ai buté plus d'un, les mecs là-bas, tu le sais ou pas? Je m'en parle, mais tu sais. C'est qu'une gorge, ça va très vite, tu le sais ou pas? Tu le sais, lâche mon couteau, lâche mon couteau, lâche mon couteau, j'ai dit. Ouais, ça va très vite, tu sais que ça va très vite. Bouge pas. Lâche mon couteau, sinon je te pile la main. Que chaque seconde de cette vidéo soit balancée sur YouTube, juste pour le plaisir, le jour où tu parleras. Sinon, elle reste entre nous. Elle reste que pour moi. C'est Loïc Le Priol qui a cette vidéo. Bouge bien en plus, hein, comme une petite salope, comme tu es en fait. Voilà, pour cette scène, encore une fois, on a choisi de diffuser seulement des extraits parce que c'est extrêmement dégradant pour la victime, que les images qui suivent sont extrêmement violentes. La victime finit à terre, nue, en sang, frappée, menacée d'un couteau par Loïc Le Priol, qui parlait dans l'extrait qu'on vient d'écouter. Mais il nous a semblé quand même important à Mediapart, à l'époque, et puis aujourd'hui encore, finalement, de montrer ce dont est capable Loïc Le Priol et puis ce groupe proche de la galaxie du Front national. Dans cette affaire, Logan Jean, Romain Bouvier et Loïc Le Priol ont été mis en examen pour violence aggravée. Le procès devait avoir lieu à l'automne dernier. À cause du Covid, il a été reporté au 1er juin prochain. Il y a un troisième personnage dans cette affaire, la jeune femme qui a déjà été arrêtée, elle, plus tôt dans le week-end. Oui, elle a été arrêtée dès samedi. C'est la compagne de Loïc Le Priol. Elle a 24 ans, elle est étudiante et elle est accusée d'avoir conduit notamment la Jeep dans cette affaire. La Jeep dont sont partis, ou dont seraient partis visiblement, les coups de feu sur le boulevard. Elle dit, devant le juge, elle a expliqué avoir agi par instinct et par amour. Elle assure avoir demandé à ces deux hommes de partir et d'arrêter de porter des coups. Tu as interrogé les avocats de ces deux suspects. Que te disent-ils ? Oui, je les ai tous les deux interrogés. Les deux ne souhaitent pas faire de commentaires pour l'instant. Une petite question pour tous les deux, et je vais commencer par vous, évidemment. Cette affaire, elle déclenche, vous l'avez dit, pas mal d'émotions dans les milieux que vous fréquentiez tous ensemble, finalement, mais aussi en Argentine. Un peu moins en France. Enfin, il y a eu quelques réactions de responsables politiques, mais par exemple, jusqu'ici, aucune réaction du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, par exemple, n'a rien tweeté, alors qu'on sait qu'il a plutôt le tweet facile sur un certain nombre de sujets. Est-ce que ça vous étonne? Je crois que l'intelligence dans cette affaire, c'était surtout de laisser le commandant Dumas faire avec ses hommes au 36 quai des Orfèvres pour retrouver rapidement les auteurs présumés des faits. Après, je suis juriste. Je fais du droit, je m'applique à un dossier. Le jour où je ferai de la politique, je vous dirai, je serai content de venir ici avec vous. Ouais. Ce que je veux dire quand même, c'est qu'il y a eu une émotion très forte voilà, dans ce dossier, même internationalement. Elle a été avec beaucoup de questions qui en Argentine, qui ont été posées, en Espagne aussi, où Federico et Shaun avaient beaucoup d'amis. C'est bien évidemment une affaire qui suscite d'abord l'émotion. Et face à l'émotion, je crois qu'on devait aussi agir vite. Donc pour l'instant, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est quand même qu'on s'en réjouit, c'est d'avoir des résultats. On a des personnes qui sont présumées avoir participé, mais qui sont aussi présumées innocentes. C'est pour ça qu'il faut s'en tenir au dossier encore aujourd'hui. Marine, alors je disais qu'il n'y avait pas de réaction du gouvernement. Nous, ici, à Mediapart, parce qu'on l'a demandé, finalement, aujourd'hui, on a eu enfin une réaction de Gérald Darmanin, enfin du cabinet de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Oui, effectivement, il est assez rapide parfois à réagir sur un certain nombre d'affaires, notamment sur Twitter. Là, il n'y a eu aucune réaction. Alors, on a décidé de lui poser la question, quelle est sa réaction par rapport à cette affaire? Et ce matin, son cabinet nous a indiqué qu'une enquête judiciaire est en cours et qu'elle permettra d'appréhender les suspects, c'était avant les arrestations, qui devront répondre devant la justice de ce crime odieux. Voilà, sans cette demande, il n'aurait peut-être à ce jour, ce soir-là, pas encore réagi le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup à tous les deux et je crois, vous allez me confirmer, mais en tout cas la cérémonie d'obsèques de Federico Martín Aramburu aura lieu samedi à Biarritz. À 14h à l'église Sainte-Eugénie avec beaucoup d'hommages qui lui seront rendus et puis derrière aussi au stade Aguilera où il a tellement aimé jouer. Voilà, on pense évidemment à vous, à ses amis et à sa famille. Merci à tous les deux. Marine, on te lit sur Mediapart, tu as publié aujourd'hui une enquête sur ce sujet. On accueille maintenant nos invités. Ils vont s'installer sur le plateau. Le 19 mars 1962, il y a 60 ans, les accords d'Evian étaient signés. Ils mettaient fin à la guerre d'Algérie. 60 ans plus tard, pour reprendre une expression d'historien, ce passé ne passe pas, notamment dans un pays, la France, qui n'est toujours pas au clair, c'est le moins qu'on puisse dire, avec son histoire coloniale. Avec nous, pour en parler, deux historiens, ils sont déjà sur le plateau. Todd Shepard, bonsoir, vous êtes professeur associé à l'université Johns Hopkins de Baltimore aux États-Unis et auteur notamment d'un livre qui s'appelle « Comment l'indépendance algérienne a transformé la France ». On est pile dans notre sujet. Giulia Fabbiano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, vous venez de publier un livre qui s'appelle « Algérie coloniale, traces, mémoire et transmission » avec Abderrahmane Moumen aux éditions Cavalier Bleu. Et votre thèse, elle portait sur les générations post-algériennes. Les générations post-algériennes, c'est des gens comme vous, finalement. Farah et Donia Ismail, vous êtes plus jeunes, évidemment, vous n'avez pas connu cette guerre, mais vous avez grandi avec cette guerre, avec cette mémoire, avec ces histoires. Farah, vous êtes cofondatrice de Récits d'Algérie, récits au pluriel d'algérie.com, c'est ça? Exactement. Un site internet destiné à collecter les mémoires de cette guerre passée sous silence, c'est ce que vous écrivez sur le site. Donia Ismail, vous êtes journaliste, vous êtes cofondatrice du média indépendant Arabia Vox et vous avez créé un podcast qui s'appelle Allo 213, consacré à l'Algérie. Il est disponible sur de nombreuses plateformes et c'est intéressant parce que l'épisode le plus récent s'intitule « Il y avait quoi en Algérie avant la France, avant 132 ans de colonisation en Algérie ». À tous les quatre, puisqu'on parle du 19 mars 62, quand on vous dit 19 mars 62, quelles images, quels faits vous viennent en tête? On peut peut-être commencer par vous, justement, les deux plus jeunes, finalement, sur ce plateau. Je ne sais pas qui veut commencer. Je t'en prie. Pour moi, le 19 mars, je pense que ce qu'on avait pris dans les livres d'histoire et des récits de nos parents, c'est le cessez-le-feu, donc c'est à la suite des accords d'Évian, donc c'est la fin, en tout cas, pour certains, de la guerre d'Algérie, même s'il y a eu beaucoup d'exactions par la suite. Mais je pense que moi, le 19 mars 62, quand j'en parle avec ma mère et quand j'en parle avec mon grand-père, très rare moment où j'ai pu en parler avec lui, c'est un soulagement pour lui, parce que c'est la fin de 132 ans de colonisation et c'est aussi un peu d'appréhension sur ce qui allait arriver après. Farah, c'est la même expérience que vous avez dans votre famille, par exemple? Ouais, c'est ça. Moi, c'est juste que mon grand-père parle pas de la guerre d'Algérie. C'est le silence. Mais c'est le silence, oui. Et d'où la naissance aussi du projet Récits d'Algérie. Mais ouais, c'est exactement ce qu'a dit Donia. C'est la reconnaissance, enfin, du droit à l'autodétermination du peuple algérien. C'est l'accès à sa dignité aussi. Qu'en disent notre historien, notre anthropologue Todd Shepard, quelles sont les images, les faits qui, quand on parle 19 mars 62, qu'est-ce que ça vous évoque? Il y a des images où on voit des gens dans la banlieue parisienne, mais surtout en Algérie, avec en blanc, rouge et vert, les couleurs algériennes, du drapeau, avec pleine joie, le soulagement, comme tu as dit, je crois que c'était ça, c'était massivement ça. Il y a aussi, bien évidemment, des images, c'est plus triste, de violence. Il y a une organisation terroriste, l'OS, l'organisation américaine secrète, qui était absolument contre l'indépendance algérienne et résistait, essayait de forcer la main du gouvernement pour qu'il retourne en arrière. Donc, et c'était un mouvement violent et qui répond avec la violence. Il y a la colère de certains, des soi-disant Européens, ce qu'on appelle après les pieds noirs. Mais massivement en Algérie, c'est la joie. Et massivement en France, c'est le soulagement qu'ils retrouvent. Donc, ce n'est pas simplement les Algériens. Beaucoup de gens attendaient la fin de la guerre. C'était repoussé pour trop longtemps. et surtout avec l'indépendance et la fin de la colonisation, ce n'était pas encore fait, des incertitudes, mais c'était bien en route. Giulia Fabbiano, un mot sur les images, mais aussi quand Farah et Donia nous disent c'est des paroles rares dans ma famille, et c'est souvent parfois le silence. Oui, alors le 19 mars, ça évoque effectivement tout ce qui vient d'être dit. Moi, je mettrai un autre mot qui est celui de devenir. C'est un devenir, et c'est un devenir d'une nation qui se crée à ce moment-là et qui est en train de se bâtir. C'est le devenir aussi de la France, et les travaux de Todd nous le montrent très bien. C'est le devenir d'une France postcoloniale. Mais c'est aussi le devenir des populations dans la joie, dans la douleur, parfois dans l'incertitude aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un point de bascule et qui résonne aussi bien en France qu'en Algérie, mais ailleurs dans le monde. Donc c'est vraiment quelque chose de l'ordre d'un devenir révolutionnaire. Et je pense que c'est dans ces termes-là qu'il faut le penser. Et comme tout devenir, ce n'est pas écrit à ce moment-là. Oui. Et donc effectivement, après, y mettre des mots, ce n'est pas évident. Et on a souvent mis l'accent sur cette question du silence. Alors c'est vrai, il y a beaucoup de silence dans les familles. Mais il faut aussi penser les transmissions d'une autre manière que par un récit constitué. Ça passe par les gestes, j'imagine que, enfin, vous le vivez au quotidien. Il y a des travaux aussi qui nous le montrent, qui nous le disent. Parfois, dans le silence, il y a plein de choses qui se transmettent, mais aussi vraiment dans les pratiques de l'ordinaire. Donc, je pense qu'il faut aussi avoir en tête qu'il y a un héritage qui est présent malgré une parole qui a pu se taire par moment. Vous, ce que dit Giulia, ça résonne pour vous? Oui, oui, je pense que évidemment, c'est quand même très dommageable de ne pas avoir eu des paroles plus précises, par exemple, de nos grands-parents. Je pense que Farah, on a beaucoup discuté toutes les deux, mais de nos côtés, nos parents nous ont vraiment jamais parlé, ou en tout cas de manière très floue, ce qu'on peut comprendre, parce que soit nos grands-parents ou nos parents, la plupart ont vécu cette guerre, et c'était pas une guerre simple, entre guillemets, avec beaucoup de violence, et la colonisation, c'est jamais quelque chose de très facile à évoquer. Mais c'est vrai que par d'autres choses, finalement, cette parole éclot. Ça peut être par les récits aussi de nos familles après l'indépendance, et les traditions qui ont été créées par la suite. C'est par exemple redescendre en Algérie pendant le 5 juillet, le jour de l'indépendance, et voir d'autres choses, ou aussi c'est par les textes qu'on a lus, ou que nos parents nous ont mis dans les bras. Alors, samedi dernier, le 19 mars 2022, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée des représentants de différentes communautés, on va dire descendants d'indépendantistes, juifs d'Algérie, de harkis, d'appelés, pour faire le bilan de son quinquennat sur la question franco-algérienne. Et dans son discours, le président a tenté, vous allez voir, de ménager tout le monde et toutes les mémoires. 60 ans après les accords d'Evian, 60 ans après cette victoire pour certains, cette défaite pour d'autres, le soulagement pour beaucoup, le début d'un calvaire. Pour tant d'entre vous, nous sommes donc rassemblés. Je sais aussi qu'il y en a beaucoup ici, dans cette salle, pour qui cette date marque parfois le début du pire, parce qu'elle est le début de représailles, de massacres, des départs d'Algérie déchirants, des arrivées en France douloureuses. Ce ne fut donc ni le début de la paix, ni la fin de la guerre. Emmanuel Macron qui a aussi fait des remarques sur sa méthode, sans vraiment de... J'ai pu faire des choses qui étaient insupportables pour quelques-uns d'entre vous dans cette salle, et ensuite qui furent insupportables à d'autres. Je crois qu'il fallait à chaque fois les faire, parce qu'il fallait à chaque fois que la République puisse tendre ses mains et lever ces silences, ou reconnaître ce qui était si longtemps attendu. Giulia Fabbiano, je vous ai vu un peu réagir pendant ces sons, ces images. Emmanuel Macron nous dit, oui, j'ai fait des choses insupportables pour certains, mais finalement, j'ai bien fait de le faire. C'est-à-dire, j'ai ouvert quelque chose, là. J'ai provoqué un dialogue, voilà, d'une certaine façon. Et puis, Emmanuel Macron, il nous dit toujours, mais vous allez, voilà, c'est ce qu'il veut dire, hein, c'est ce qu'il nous semble nous dire. Et puis, il dit toujours, là, depuis la commémoration du 19 mars, il nous dit toujours, je veux apaiser les mémoires. Ça, c'est le grand mot. Qu'est-ce que ça vous inspire? Plusieurs choses. La première, que je pense que ça ne revient pas au chef de l'État d'apaiser quoi que ce soit, ni de créer non plus un récit mémoriel exprès pour pouvoir après le défaire. C'est un peu c'est un peu à ce à quoi on a insisté. C'est-à-dire que cette concentration sur l'idée d'une guerre de mémoire, finalement, a mis en scène quelque chose plus qui n'est là décrit. Vous vous dites qu'il faut arrêter avec cette guerre de mémoire, ça veut dire quoi ? qu'il faut arrêter de parler de guerre de mémoire, parce que guerre de mémoire ne veut strictement rien dire d'un point de vue anthropologique ou ethnologique du terme. Quand on travaille sur ces questions-là, on se rend compte que déjà les groupes ne sont pas homogènes, donc n'étant pas homogènes, ne peuvent pas avoir une seule mémoire. Donc il serait... ce qu'on appelle guerre de mémoire, c'est des polémiques mémorielles, médiatiques, qui se jouent dans l'espace public et qui n'ont rien à voir avec la complexité du fait mémoriel collectif, hétérogène, subtil, plastique, et qui change selon les circonstances. Donc premièrement, il faudrait en finir avec la guerre des mémoires pour pouvoir penser le fait mémoriel colonial, effectivement. Et en finir aussi avec donc du coup un président qui décide de lancer le processus, d'une certaine façon. Ça, je sais pas moi de dire qu'il faut en finir avec le président, mais il faut en finir avec le dispositif. Là, oui, je le dirais de manière assez assurée. Il faut en finir avec ce dispositif parce que ce dispositif produit exactement l'inverse de ce qu'il veut construire, et puis parce qu'il ne donne pas un récit cadre qui est celui que la nation attend. Il faut parler à l'ensemble de la population française de ce qu'était le passé colonial français et pas continuer à fragmenter, à segmenter les groupes en les rendant de fait, de facto antagonistes. C'est-à-dire ça essentialise, Todd Shepard, ce discours, ça tend à essentialiser finalement. On a, toi, t'es descendant de Harki, toi, t'es descendant d'Algériens, toi, t'es descendant de Pieds-Noirs, c'est ça, on essentialise. C'est que l'électoraliste, on voit comme ça vient venir, quoi. Il s'adresse à certains secteurs, pas la. D'abord, on voit que c'est un événement français. Le 5 juillet, c'est la date en Algérie qui compte. Le 5 juillet 1962, ça c'est l'indépendance. Oui. Et c'est l'affirmation. C'est pas le 2 juillet où la France a reconnu la souveraineté, c'est le 5 juillet. Donc ça c'est une date française que la France a décidée. Il met sur le même plan la violence et la joie. C'était un moment où les violences massivement ont baissé, sauf pour les Européens et les Juifs d'Algérie. Donc une petite minorité... quand même, 900 000 sur 9 millions. Pour eux, c'est le moment le plus violent de la guerre, mais quand même, chaque jour, il y avait moins, pendant cette période, il y avait nettement moins de morts que n'importe quelle période de 5 mois pendant toute la guerre. Chaque jour, il y avait quand même plus d'Algériens qui sont morts de la violence que d'Européens ou de Juifs ensemble. Donc c'est quand même, c'est pour cette population qui devient rapatriée, qu'on appelle les pieds noirs, c'est le moment le plus violent de la guerre, mais c'est la période la moins violente depuis le 1er novembre 1954 de la guerre. Donc c'est une baisse massive en total de violence. Et puis après... on va sectoriser ça, en disant, on parle à vous, à votre mémoire, sans parler aux Français en général, surtout sans s'adresser vraiment aux Algériens hors de France. Donc ce n'est pas vraiment un travail d'histoire. Cette prétence qu'il y a une guerre, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Giulia, de prétendre, surtout chez les jeunes, il n'y a pas une guerre mémorielle, il y a une guerre entre certains représentants, et puis il y a des divergences massives entre mémoires, c'est totalement normal. Des gens ont souffert énormément. Donc à la fin de la guerre, pendant la guerre, c'est normal qu'ils aient des différences d'opinion de ce que c'est devenu, et le devenir pour... beaucoup étaient incertains. Pour les Algériens, ils attendaient l'indépendance et ce n'était pas totalement clair. En le 19 mars, il fallait attendre quelques mois. Et pour les autres, ils attendaient voir. Certains sont partis. C'était une douleur énorme, un arrachement fort. Mais c'est... voilà. Farah, je vous ai vu acquiescer beaucoup quand Todd parlait. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Aujourd'hui, on aborde la question de la guerre d'indépendance algérienne sous le prisme mémoriel et politique, beaucoup. Et on limite beaucoup le débat public à ces considérations politiques qui sont de dire il y a des tensions mémorielles, il y a justement ces guerres de mémoire, il y a ces communautés de mémoire qu'il va falloir apaiser aujourd'hui, et c'est presque la mission du président. Et je pense que c'est se limiter dans le débat, il faut peut-être l'élever un peu, et aujourd'hui il n'y a pas de consensus politique, par exemple, sur juste la qualification de ce que c'est que la colonisation. Donc évidemment les enjeux politiques vont être forts derrière, mais... la question, elle est assez simple. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Et de là, il faudra agir, mais il faut se prononcer. On va regarder justement pour continuer avec ce que dit le président, ce qu'il a dit ces dernières années, et puis ensuite on élargira le débat par rapport à ce que vous disiez justement, puisque le candidat Macron était prêt à reconnaître les crimes coloniaux, tandis que le président Macron a cru nécessaire visiblement de composer avec une réalité politique, pensant souvent que l'opinion publique se droitise. Alors, Le candidat, on se rappelle, il y a 5 ans, voilà ce qu'il disait sur une chaîne algérienne. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Des actes symboliques, il y en a eu dès le début de son mandat avec la reconnaissance de l'assassinat du militant anticolonial Maurice Audin. Ce serait plutôt à moi de vous demander pardon. Je ne sais pas où nous mène ce chemin, mais je sais que si on ne l'emprunte pas, par peur ou par réticence ou autre, on restera bloqué dans les incompréhensions actuelles, les ressentiments, les secrets. Et comme je disais, même pour les nouvelles générations, c'est fou de voir la place que prend la guerre d'Algérie et ses mémoires fracassées. Début 2021, l'historien spécialiste de l'Algérie Benjamin Stora rend un rapport avec des préconisations pour apaiser les mémoires. Justement, on en parlait, parmi elles la reconnaissance de l'assassinat d'Ali Boumenjel, avocat indépendantiste algérien, ce que l'Élysée fera 2 mois plus tard. Autre préconisation du rapport, l'entrée au panthéon de cette femme, Gisèle Halimi, avocate et militante pour l'indépendance algérienne. Aujourd'hui, si vous me posez la question, je me demande si finalement je ne suis pas plus algérienne que tunisienne, compte tenu que j'ai donné presque 8 ans de ma vie à la cause de l'indépendance algérienne. Mais en mai 2021, eh bien, le président Macron doute après les vives réactions d'associations de harkis et de pieds noirs. Eh bien, il ne souhaite plus raviver les blessures. Pas de panthéon donc pour Gisèle Halimi. Et comme pour s'adapter à la droitisation de l'échiquier politique, le président s'en prend aux dirigeants algériens lors d'un déjeuner fin septembre avec des descendants de protagonistes de la guerre d'indépendance racontés dans Le Monde. Il les accuse de former, je cite, un système très dur qui s'est, autre citation, construit sur une rente mémorielle. Il donne aussi du grain à moudre aux nostalgiques de l'Algérie française en s'interrogeant « Est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ?» Ça, c'est la question. Voilà ce que disait Emmanuel Macron. Todd Shepard, Giulia Fabbiano, que signifient ces contorsions? Vous avez dit électoralisme tout à l'heure. C'est très grave. Comment, voilà, c'est très grave. Alors pourquoi c'est très grave? On a 2 faits établis. La meurtre par les représentants du gouvernement français d'Ali Boumenjel et d'Audin. Ça, c'est établi. On sait, les historiens et les chercheurs ont prouvé ça. Donc, ils se basent sur ça. Après, il fait d'autres choses, comme ces déclarations au déjeuner que le Monde a été supposé de rapporter, il en fait. C'est un peu n'importe quoi. C'est des interprétations vagues, mais qui surtout donnent du grain à moudre à l'extrême droite. Il a aussi, il faut le reconnaître, établi une demande de pardon sur le 26 mars, donc le soi-disant massacre de l'Odyssée. Il y a des gens qui ont été tués, des pieds noirs massivement, dans la ville d'Alger, face aux soldats français, et puis le soi-disant massacre de 5 juillet 1962 à Oran. Dans les 2 cas, c'est une version et une description des choses qui sortent directement des réseaux d'extrême droite, avec d'autres réseaux de rapatriés qui ne sont pas nécessairement d'extrême droite. Mais quand même, c'est une version mémorielle du passé qui est biaisée, pas du tout basée dans la recherche, dans les archives, dans les documentations. Ce n'est rien de scientifique ou d'établi. Ça, c'est les mémoires. Il a choisi 2 et il les met au même plan que le meurtre établi et clair de 2 personnes parmi beaucoup d'autres. Mais quand même, ça, c'est voilà. Donc, il joue sur des plans différents où il donne à l'un et à l'autre, mais malheureusement, il donne très peu. Au côté, il y a des preuves très claires de ce que la France, le gouvernement français au moins et ses représentants ont fait aux gens qui luttaient pour l'indépendance. Et il donne énormément aux gens qui regrettent, qui ont des ressentiments ou des regrets énormes sur des bases qui ne sont pas claires du tout, certainement pas établies par les chercheurs. Giulia Fabbiano, c'est ça, c'est qu'on a des pardons ponctuels sur certains bouts de cette histoire. En revanche, on entend très peu parler, sauf en 2017, mais plus beaucoup, et de colonisation, et des crimes de la colonisation. Okay. Ça disparaît. Ça disparaît complètement. Et s'il faut... En fait, je pense que ce qu'il est intéressant de faire, c'est de mettre bout à bout les déclarations et les actions mémorielles. Et on commence par la reconnaissance de la torture et de l'assassinat d'Audin, où un système est dénoncé. Donc là, il y a effectivement un geste qui est fort de reconnaissance historique d'une situation d'injustice qui produit un système politique de soumission de, toute une population. Et puis, ce discours-là disparaît petit à petit, c'est-à-dire qu'il est déjà pas présent dans la déclaration dans l'hommage rendu à Ali Boumenjel, où on ne parle plus de système, où on parle d'individualité. Alors on peut se demander pourquoi effectivement ce deux poids deux mesures. Et quand on regarde le discours qu'il fait à l'adresse des harkis, des pieds noirs, le discours du 17 octobre, celui jusqu'au dernier du 19 mars, le terme colonie, colonisation disparaît complètement. Cette réalité n'est jamais nommée et est réduite effectivement, et c'est, je pense qu'il faut le souligner, à de la pure expérience subjective, ces mêmes souvenirs, ces mêmes odeurs, ces mêmes bruits, tout le monde serait censé partager d'une terre qui était la terre de l'ensemble. Or, ce n'est absolument pas ça, et réduire, d'une part, le combat, mais les injustices et les faits historiques à, à de la pure perception sentimentale, j'ai envie de dire, montre qu'on est très loin de la reconnaissance d'un fait historique, qu'on est très loin de la justice, enfin de dire ce que ça a été la colonie et la colonisation. Je vois acquiescer toutes les deux, parce que l'absence voilà, de qualification d'un système qui était la colonisation, l'absence même aussi du lien avec le présent, finalement. Comment tout ça fait histoire au présent, l'importance du racisme encore dans notre société, j'imagine ça vous fait parfois bondir, toutes les deux. Le lien entre... Moi, je ne suis pas sûre de cerner exactement. Non, mais sur la question déjà, l'absence voilà, de discours sur le système de la colonisation. Ouais, sur l'absence de discours, ouais. Ouais, bien sûr, je suis totalement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et moi, il y a un mot là qui me parle beaucoup et qui vient très peu, en fait, en réalité, c'est celui de la justice. C'est ça qui devrait découler de tous ces gestes de reconnaissance politique ou de faits historiques, etc. La question de la justice, c'est quelque chose qu'on n'aborde jamais, parce que les crimes ont été amnistiés. Mais pourtant, ça devrait quand même revenir un peu sur le débat, ou en tout cas sur les ambitions des politiques actuelles. Oui, très bien. Totalement d'accord. Je pense qu'il y a... Il y a des choses qui ont été faites, on ne peut pas le nier. Au début, ça a été très très fort, comme l'a très bien expliqué Giulia, mais de plus en plus, on ne parle plus de colonisation et fondamentalement, la guerre d'Algérie, elle n'a pas éclaté comme ça. Avant la guerre d'Algérie, il y a 132 ans de colonisation et je pense qu'il est important de le rappeler. Ce n'est pas juste les 6 du FLN qui se sont dit le 1er novembre 54 et si on devenait indépendant. Il y a franchement quelque chose de très très violent dans la colonisation et ça, on n'en parle pas beaucoup. Et quand, par exemple, moi j'entends un Emmanuel Macron, donc toujours à travers cet article du Monde qui remet en cause l'existence d'une nation algérienne, si ça c'est pas donner de la force et donner du grain à moudre à toutes les théories de l'extrême droite sur bah, en fait l'Algérie c'était une terre aride, alors on est arrivé, on a donné la civilisation. Pour moi il n'y a pas plus grave en fait que cette phrase-là et que ce mot-là. Et en plus on a entendu que des personnes qui étaient d'accord, parce que Marine Le Pen est OK, Éric Zemmour aussi, Valérie Pécresse également. On va regarder justement, bah, pendant que vous en parlez, c'est intéressant, l'anniversaire des 60 ans des accords d'Evian a été une nouvelle fois l'occasion pour certains adversaires d'Emmanuel Macron, et on vous met pas Éric Zemmour, à l'élection présidentielle, d'instrumentaliser encore une fois cette question de la guerre des mémoires. On les écoute. Je crois qu'Emmanuel Macron a commis une faute. Il a commis une faute en accusant la France et les Français d'un crime contre l'humanité qu'ils n'ont jamais commis. Et je le dis aussi à Emmanuel Macron, la France ne peut pas être la seule à regarder lucidement son passé sans que l'Algérie ne fasse de même. Je conteste, et nous contestons depuis longtemps cette date choisie, parce qu'en réalité, cette date qui a été imposée comme la fin de la guerre d'Algérie n'a pas été la fin de la guerre d'Algérie. Car il y a eu des dizaines de milliers de harkis après cette date qui ont été sauvagement assassinés. On doit avoir à l'égard des harkis une très vive reconnaissance, voilà, des gens qui ont choisi la France. Todd Shepard, vous êtes spécialiste de cette histoire, mais aussi de la France, justement, des résonances en France de tout ça. Quand on voit que 60 ans plus tard, on en est encore là, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est finalement pas si étonnant vu la façon dont les processus, voilà, l'histoire, ça prend du temps parfois, etc. Ou alors, est-ce que c'est très spécifique quand même à la France, où on reste quand même assez bloqué dans le travail que nous devrions faire ici sur la colonisation? C'est la deuxième option. Il faut reconnaître que c'est soit, disons, guerre mémoriale, ça date des années 80 ou ça commence des années 90 et c'est lié à une spécificité française. C'était dans l'avant-garde de l'extrême droite, dans une qui prennent une telle place dans le débat public machiste. Des États-Unis, l'extrême droite a pris encore plus de place. Plus récemment chez nous, il y a d'autres pays, mais la France était en avance. Et c'est l'existence de cette extrême droite et la façon qu'elle pose des questions et la façon que ça a été repris par ces mots d'ordre. Là, on a parlé avant de certains moments, une certaine interprétation totalement biaisée des événements comme le 26 mars, des vraies tragédies, ou le 5 juillet à Oran. On prend une version pour donner, encore une fois, du grain à moudre à une version du passé qui a été travaillée par et présentée par des groupes d'extrême droite, qui a trouvé des échos chez certains, qui a donné forme aux mémoires d'autres. Donc ça, c'est pas le long terme, c'est le moyen terme. Là, on a été mis vraiment en avance en 2007 par le candidat Nicolas Sarkozy avec son attaque en règle contre la repentance, comme si... Encore, c'est pas la seule personne dans le monde qui a fait ça. Beaucoup d'autres hommes politiques de droite et d'extrême droite ont repris ce mot d'ordre, mais c'était en France très fort. On ne voit pas la repentance. Où est le problème? Surtout... Comment pas reconnaître le passé? Commençons avec... Et c'est dur de reconnaître. La tragédie des Harkis, Giulia, c'est plus que n'importe qui, mais comme expert, comme anthropologue au moins, mais c'est sûr que la responsabilité tombe sur la France. Il y avait un gouvernement français qui a pris des décisions, qui a mis les gens en danger, qui leur a enlevé les droits qu'ils avaient, enlevé les possibilités, bloquer des gens après que quelque chose dans une situation grave, là c'est la France aussi qui a empêché l'État algérien d'émerger, de prendre forme, d'avoir des gens en place ou de prendre des décisions jusqu'à 2 juillet, donc c'est-à-dire quelques mois après, au milieu de l'année, donc des choses se passent et c'est la France qui est responsable. En général, donc voilà, il faut regarder ce qui s'est passé avec les Harkis. Mais ça, c'est surtout du côté français qu'il faut regarder. Comment les décisions, comment des gens qui étaient à la fois français de nationalité, dans le droit au moins, et qui ont été impliqués par leur choix ou par d'autres choses, de la défense de l'Algérie française, comment on sait où ils ont souffert à cause de ça. Et ça, c'est pas aux Algériens, ils ont des choses à se dire, mais c'est des débats internes à eux. Pour la France, c'est la structure du débat politique qui a façonné ça. Et on n'évolue pas beaucoup quand même, Giulia Fabbiano, n'est pas beaucoup d'évolution. Comment on peut éviter, et je vous poserai la question après aussi, c'est-à-dire vous faites aussi ce travail de collecte ou de ce travail pour essayer de d'avoir d'autres récits aussi pour vous donner. Donc comment on peut éviter cette cannibalisation finalement des discussions, des discours par les thèmes, enfin par des thèmes imposés par l'extrême droite, cette question de la guerre des mémoires. C'est quoi l'alternative? Alors vous n'allez pas, évidemment, vous n'êtes pas, voilà. Mais quelle pourrait être l'alternative pour des chemins pour commencer à sortir finalement de ces processus qui se répètent en permanence, de pire en pire, avec en plus une extrême droite qui est de plus en plus présente dans le débat public. Des alternatives s'ouvrent, c'est-à-dire que les alternatives viennent, je pense, des volontés des individus et des acteurs sociaux eux-mêmes de prendre la parole, comme c'est le cas, effectivement, et d'exprimer leur propre vécu, le vécu de leurs parents, de déconstruire cette logique coloniale de segmentation démographique, parce qu'au final, si on regarde bien, quand on parle des Harkis, on parle de qui? On parle d'un ensemble de populations autochtones, anciennement colonisées, anciennement indigènes, qui pour une raison ou une autre, sur laquelle on pourrait éventuellement débattre, se retrouvent à côté, et non pas pour la France, dans la grande majorité, à un moment donné d'un parcours de vie, et qu'en 1962, dans le chaos que c'est le moment de l'indépendance, est menacé et fuit la violence pour se retrouver en France. Et c'est en France qui naissent les Harkis comme groupe collectif et comme appartenance identitaire qui se transmet de génération en génération. Et là, je pense que le travail qu'ils font les supposés ou les prétendus descendants des Harkis ou ceux qu'on désigne, qu'on identifie comme tels pour déconstruire et décoloniser leur propre appartenance est très important. Je pense notamment au livre de Zahia Ramani, je pense au livre d'Alice Zeniter, je pense aux travaux cinématographiques, à tout ce qui permet de faire émerger une contrevoix, un contre-discours qui, à mesure de rompre avec cette idée effectivement très binaire des bons et des mauvais, des pour la France, des contre la France, et donc des harkis comme des fidèles défenseurs de la patrie finalement. Et Farah, j'imagine aussi d'une pluralité de vie, d'expérience et de parcours. C'est ça que vous essayez de faire avec votre projet? Oui, exactement. Avec Récits d'Algérie, il faut se rappeler un peu la genèse. Le projet, donc, il est né, on l'a lancé il y a 2 ans, le site internet Récits d'Algérie. Avant ça, c'était à l'âge de 19 ans, donc il y a 5 ans, où vraiment j'ai commencé à m'intéresser aux récits. Au départ, je cherchais des récits qui ressemblaient à ceux de mon grand-père, forcément. Et, parce que les récits d'Algériens, dans la mémoire collective française, ils sont quasi... Maintenant, ils sont invisibles. Ils sont invisibilisés, peut-être. Invisibilisés, exactement. Ouais, ouais. Et donc pour chercher un peu, pour justement avoir un accès à ces récits-là, au début, fallait passer par Canal Algérie, en fait. Et donc c'est pour ça que c'était intéressant de s'intéresser, de lancer un projet comme Récits d'Algérie. Mais ce projet, il survient pas en réaction à des discours ou en réaction à une idéologie d'extrême droite ou quoi. L'idée, c'est vraiment de faire abstraction de tout ça et juste de sortir nos récits de nos foyers. Et puis ça s'est étendu et maintenant on s'intéresse à, évidemment, tous les récits. Mmh. Donia, ça changerait quoi si la société française, s'il y avait une reconnaissance tout simplement de la colonisation, de ce phénomène dans son aspect systémique et raciste, y compris, ça changerait quoi? Et après, peut-être Todd voudra réagir, dans la société française aujourd'hui, parce que c'est ça qui compte, en fait. Je pense que beaucoup de choses. Ouais. Déjà, ça éviterait... moi, par exemple, si je parle en mon nom, pour avoir... chercher sur la guerre d'Algérie, en tout cas me renseigner sur la guerre d'Algérie, aller à l'école, ça servait presque à rien parce que finalement on nous en parle quelques heures par-ci, quelques heures par-là, et puis c'est quand même c'est les grandes dates, quoi. Mais c'est ce qui est bien avec Récits d'Algérie, c'est qu'on a besoin de vécu aussi et de témoignages. Donc fondamentalement, si il y avait cette reconnaissance en tout cas de la colonisation systémique et de tout ce qui s'est passé en Algérie, ça permettrait peut-être de mettre à jour tout ce qui est dans les manuels scolaires et donc d'apprendre à l'école en tout cas vraiment ce qui s'est passé. Ça aussi peut-être nous permettrait de pouvoir regarder en face notre histoire, nous en tant que franco-algériens, et se dire voilà, on est là en France pour quelque chose, et fondamentalement aussi peut-être nous poser plus de questions dans nos familles, parce que on en a reparlé au début, mais il y a vraiment ce mutisme, en tout cas sur les témoignages, et si nous on le fait pas, personne le fait, donc... Je pense que si, à un moment donné, on arrive à être, même si j'aime pas du tout ce mot, et je pense que Farah aussi, être plus apaisé par rapport à ces discussions-là, je pense que tout le monde en gagne finalement. Ouais. Et surtout, moi je parle pour nous aussi, les descendants d'Algériens, de musulmans d'Algérie, ça nous permettrait aussi de pouvoir avoir accès à ces histoires-là sans chercher et fouiller dans des... témoignages hyper vieux, etc. Todd Shepard, vous expliquez aussi, en tout cas, je veux pas, mais vos travaux, ils portent sur ça, vous expliquez aussi que ça nous aiderait probablement, en tant que Français, à mieux comprendre notre pays, aussi ses institutions, c'est-à-dire la façon dont cette colonisation, la guerre d'Algérie aussi, avec toutes les pratiques qui ont été les actions, l'armée française, etc., la torture, nous permettrait de comprendre mieux notre République française, ses institutions, aujourd'hui, de faire le pont avec des pratiques, par exemple, de la police. Ah oui, mais c'est le 58, bien évidemment, c'est le début de la Ve République, et 62... pas ce moment-là, mais à l'automne, avec la mise en place de l'élection directe du président, une nouvelle architecture émerge de qu'est-ce que c'est une république. Certains, parmi moi, ont des questions. Je crois que c'est moins républicain, il y a moins de liberté, il y a plus de contrôle, il y a l'exécutif plus fort qui émerge, et c'est fait en lien direct d'abord pour essayer de garder l'Algérie en 58, mais en 62, l'architecture qui dure, c'est fait en lien direct avec l'exclusion. En fait, la France fait comme si elle avait fait le choix, le gouvernement français au moins, d'exclure les Algériens, d'exclure l'Algérie, comme s'ils ne méritaient pas, sans reconnaissance presque aucune du fait que la France a perdu la guerre et que des gens ont eu accès à la fin de la guerre, entre 58 et 62, à plein de choses qui, soi-disant, remplissaient un contrat de citoyenneté avec une inégalité juridique, avec d'autres mesures que des gens n'acceptaient pas. Ils n'y croyaient pas dans la promesse républicaine. Donc ils sont partis parce que la France a perdu face au FLN, mais on échappe à ça on fait comme la, au moment en 62, on fait, la France fait comme si elle avait choisi de partir, choisi d'exclure les Algériens sur des bases dubitatives, vraiment plus que problématiques au niveau juridique dans la tradition républicaine. Donc on a un nouvel État qui est fondé avec une nouvelle frontière de la nation qui exclut les Algériens. Et donc, il y a des continuités énormes avec des problèmes dans la gouvernance de la Ve République qui on peut lier à ces choix-là, mais aussi cette spécificité. C'est-à-dire, on a tendance en France de toujours parler en termes universels, vous avez des tendances, et il y a un racisme spécifique et une obsession spécifique au sujet des gens vus comme Algériens. Et il y a un lien direct avec cette histoire. Oui, ben c'est sûr. Donc, juridiquement, c'est un moment de folie. C'est une aberration complète dans l'histoire de la France où des gens qui ont la citoyenneté, notamment c'est les harkis, qui encaissent immédiatement, c'est-à-dire un renversement complet. Donc, les accords, les raisons que ça a pris, c'est une des grandes raisons avec le Sahara. Des autres raisons, c'est que la France essayait de forcer la FLN d'admettre la double nationalité en juillet. Face à l'exode, le départ massif des pieds noirs, soi-disant, les Juifs et les Européens, la France change de position complète et exclut par le droit tous les Algériens de la droit de garder, s'ils voulaient, leur nationalité française. Il faut le redemander. C'est les harkis qui souffrent énormément. Giulia Fabbiano, justement, en tant que spécialiste d'harkis. Donc, du coup, sur ce sujet-là, c'est-à-dire sur ce dont on parlait là, c'est-à-dire que changerait, justement, une reconnaissance du système colonial. Aujourd'hui, dans la société française, on a parlé un peu des institutions, on a parlé de ce regard universel à la française, un petit peu, qu'on peut questionner. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez? Ce qui changerait, c'est qu'on pourrait voir qu'un certain nombre de logiques de gestion de la population d'origine coloniale, de la population anciennement colonisée, sont des logiques de gestion qui ont été mises en place et testées en colonie. Et donc, ça permettrait déjà de reconnaître aujourd'hui qu'il y a une continuité dans les manières de faire, dans les manières d'identifier, dans les manières de catégoriser, et puis surtout dans les manières d'exclure. On le voit bien avec les harkis qui ont été appelés français musulmans, donc en reprenant une terminologie qui était une terminologie coloniale, mais on le voit bien aussi avec les immigrés qui ont été, également mis aux marges de la nation pour les mêmes raisons, pour des questions de racisation d'éléments, par exemple de l'élément religieux, et auquel on a toujours demandé de faire ce choix qu'on demandait en colonie, en quelque sorte, de se défaire de sa propre culture pour pouvoir pleinement intégrable. Et on ne peut pas comprendre ce processus-là d'une injonction à une allégeance si on ne comprend pas ce qui s'est joué en colonie. Donc je pense qu'effectivement, reconnaître le système colonial permettrait de défaire, en tout cas, les assises d'une discrimination et d'un racisme anti-maghrébin, anti-arabe aujourd'hui en France. Ouais, et on comprend mieux ainsi la résurgence 60 ans plus tard dans la campagne présidentielle. Absolument. Le discours sur l'assimilation nécessaire ou de gens qu'on veut trier selon leur prénom pour les renvoyer d'un pays à l'autre. Je ne sais pas, sur ces ponts entre finalement le passé et le présent. Oui, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit. Bah, tout à fait d'accord. Bah, c'est ça en fait, les Algériens d'aujourd'hui, c'est les descendants des indigènes d'hier. Ouais. Et quand on comprend ça, je pense qu'on a un peu tout compris à ce qui se passe actuellement et par rapport à ce qui se passait avant, quoi. Donia, un petit mot là-dessus et on conclut. Je ne saurais pas quoi ajouter à part exactement ce qu'a dit Farah. C'est vrai que tu l'as dit parfaitement. On a cette impression que pour beaucoup, on a encore cette place on ne comprend pas encore pourquoi on est là. Bon, en tout cas, il y a cette surprise de se dire pourquoi il y a des Algériens ou des descendants d'Algériens en France. Mais finalement, il y a eu une colonisation, donc c'est normal que plus tard, après l'indépendance, les Algériens soient revenus en France parce que puisqu'on partage la même langue. Et donc comprendre que les descendants d'Algériens d'aujourd'hui sont des indigènes d'hier, je pense que ça pourrait permettre de régler pas mal de choses. Après, si je peux me permettre, juste indigène par rapport à l'administration coloniale française, évidemment. On ne peut pas juste se définir par rapport à ça. Bien sûr, bien sûr. C'est les termes du débat, d'une certaine façon, c'est la façon dont... Ouais. Autre chose que ça vaut la peine de noter, c'est que dans les années 60 et 70, il n'y avait pas de silence, il y avait beaucoup de discussions. Ah. Ouais. Et c'est en partie le programme commun, l'arrivée de la gauche, l'union de la gauche au pouvoir en 81, a fait qu'on essaie de mettre ça de côté, sous le tapis, parce que ça a touché la gauche. La gauche était quand même Mitterrand, pas le seul, d'être impliqué dans la guerre d'Algérie, impliqué dans les choix pour la colonisation. Donc il y a un détournement de cette question dans l'abstraction de l'antiracisme, qui donc rejoint les années 90, comme on a déjà dit, avec la nécessité sentie de répondre constamment à l'extrême droite, fait que c'est les années 80, 90, et après il y a le silence impose, où on ne parle pas de la spécificité de ce qui s'est passé dans la colonisation algérienne, dans la guerre d'Algérie, des souffrances, la violence. Mais dans les années 60 et surtout 70, notamment à gauche, dans certaines parties de la gauche, il y avait beaucoup de discussions. Donc le silence émerge, et ça émerge pour des raisons de choix politiques. Et ça est retombé. Merci beaucoup à tous les quatre. Todd Shepard, professeur associé à Johns Hopkins, Baltimore, aux États-Unis. Giulia Fabbiano, anthropologue, avec ce livre Algérie coloniale, traces, mémoire et transmission aux éditions Cavalier Bleu. Et vous, Farah et Donia Ismail. On rappelle donc, Farah, votre site récit au pluriel d'algérie.com et Donia à Allo 213. C'est ça. Voilà. Un podcast. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. Émission plus longue que d'habitude, mais c'était très intéressant. Merci à Valentine Auberti et Célia Mebroukine qui m'ont aidé à préparer cette émission. Demain, on parlera des cabinets de conseil au cœur de l'État. Ne pas rater cette émission. Bonne soirée, prenez soin de vous.